Eh bien, salut tout le monde, c'est Dash Blue en compagnie de Karma Street Yo tout le monde! et de Razer V8. Salut! Aujourd'hui, nous retrouvons pour un wall break sur Golf Domain. À toi, Karma Street, de le montrer. Donc pour le wall break, il faudra monter d'abord sur le conteneur, donc c'est pas grand chose. C'est pas bien compliqué. Voilà, c'est pas bien compliqué. Donc vous montez ensuite sur les cartons et là vous sautez sur la tôle. Donc non, vous pouvez pas monter en sautant par là. Donc vous cassez les deux vitres, hop. Ensuite, vous montez, vous sautez et vous accroupissez. Donc voilà. Attendez, j'essaye. Donc le but, c'est d'essayer de rester sur le rebord de la fenêtre pour pouvoir s'accroupir. Donc voilà, c'est bon. Voilà, Et bon, j'ai réussi. vous êtes dans le wall break. Donc il y a trois pièces pour le wall break. Et donc, attendez, je vais poser ma balise d'abord. Donc il y a deux pièces avec une vue assez dégagée sur D. Donc en hardcore c'est pas mal pour pas se faire repérer. Bon, Et faut pas trop en abuser. voilà, faut pas trop en abuser, mais bon, c'est pas. C'est plutôt un spot, on va dire. Et ici, à la fin de cette salle, vous avez un trou. Donc vous tombez et vous avez un endroit où vous pouvez capturer D sans vous faire tuer. Donc Mais bon, après, ici, pour est-ce qu'on peut pouvoir. pas tuer aussi? Voilà, mais après, pour pouvoir venir. Pour revenir dans le glitch, en fait, il faut mourir, en fait. C'est ça le problème. Donc voilà. Donc je pense qu'on a tout montré. Oui. C'est pas un énorme bug. Il est pas mal quand même. Bah, il peut servir, surtout. Donc c'est tout. On va vous laisser et on vous souhaite bonne Bon journée ou bonne soirée. et bon glitch. Voilà. Donc salut tout le monde. Ouais, salut.